Waouh, c'est lui qui s'est fini de malheur. Alors, je suis très content parce qu'on reçoit aujourd'hui Patrick Bruel. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas reçu à l'émission Les Croulants du Rock. C'est quand même très très longtemps que je ne vous ai pas vu Patrick. Alors Patrick, après le film, le prénom, pourquoi le prénom? C'est pas moi qui choisis, hein. Quand je choisis dans le film, quand je suis réalisateur, mais c'est vrai qu'il a pas appelé à moi, il m'a dit Patrick, c'est toi qu'il faut, c'est toi que je veux sur ce prénom-là. C'est vrai qu'au début, je savais même pas le titre du film, parce qu'il fallait pas le révéler, parce que c'est le titre du film, c'est le prénom. Et il m'a juste dit prénom, hein, je suis venu. C'est pour ça que je suis venu, mais c'est vrai que ça faisait longtemps, et ça m'a plu de retourner derrière les caméras. Patrick, ce qui est génial, comme c'est qu'après le prénom, on a fait un film qui s'appelle Le Prénom, vous sortez un album, il n'y a que des prénoms, c'est que des chansons où il y a des prénoms, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai parce que je me suis dit, si je fais un film avec le prénom, il faut que je continue sur le même lancer. C'est comme le poker en fait, faut jouer de la même manière quand tu gagnes, faut continuer. Alors c'est vrai, quand t'as le prénom, je pouvais pas faire un album sans mettre des prénoms dedans. J'aurais voulu en mettre qu'un, mais après je suis parti, j'ai signé les prénoms de plein de gens, je ne sais pas, je m'en fous, ça faisait des chansons et des prénoms, j'ai appelé l'album sans nom quoi, j'ai pas mis de nom, j'ai pas mis de prénom, j'ai rien. Patrick, on imagine, vous allez faire des concerts, vous sortez cet album, un album de prénom, vous allez faire des concerts, je me souviens d'un incident technique, pas incident technique exactement, c'était plutôt marrant, je me souviens, j'étais là, quelqu'un vous a filmé avec une caméra dans le public, et vous avez arrêté carrément la chanson. Que s'est-il passé? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous comptez reprendre la route en France pour défendre cet album de prénom, Patrick? C'est vrai que j'avais été blessé, j'avais été blessé parce que moi je suis pas spécialiste en webcam, je suis pas spécialiste. Quand je le DVD, je veux le DVD, genre chez moi, j'arrive à comprendre, mais c'est vrai que vous filmé, c'est trouvé sur internet, j'arrivais même pas à le faire ici pour voir ce que j'avais fait, alors je me sentais un peu violé par mon activité. C'est vrai que, voilà, bien sûr que je vais reprendre la tournée, je vais repartir sur les routes pour défendre cet album de prénoms, avec des noms de villes, forcément je connais pas le prénom des villes, mais j'ai le nom, c'est déjà quelque chose de super, tu ne peux pas tous avoir le prénom. Ça peut pas se passer comme ils. Et bien sûr, je vais partir sur les routes bientôt. J'espère qu'il n'y aura plus d'incidents de ce genre-là. Patrick, vous avez plusieurs casquettes, c'est fantastique, faites de la musique, du cinéma, c'est même du poker en ligne. Et il paraît même que vous auriez un autre projet sur Internet, Patrick. C'est vrai qu'avec Brigitte Lahaie, on voudrait mettre quelque chose en place, en fait, le poker en ligne. On a commencé à jouer avec Brigitte Lahaie. C'est vachement bien pour dire gueule. C'est vachement marrant parce que Brigitte Lahaie, t'as envie de rejouer, t'as envie de gagner, t'as envie de perdre, t'as envie de gagner, je me trompe. Et c'est vrai que. Faut essayer de le faire. Après poker en ligne, on va essayer de strip poker. Je pense que ça va marcher. Je vais pas jouer avec Maïté parce qu'on sait jamais. Si jamais elle perd, ça va être terrible. Alors les croulants du rock, restez. Restez parce que Patrick va vous faire une autre chanson, une inédite de votre album, il me semble, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai écrit une nouvelle chanson qui s'appelle Si t'as pas de prénom, c'est chiant. Par contre, vous avez eu un problème. En fait, il me semble que vous êtes fait mal aux mains, vous ne pouvez pas jouer de guitare. Alors, vous avez beaucoup de chance parce que je fais un peu de guitare. J'ai une guitare derrière moi, d'ailleurs. C'est celle que vous avez, une guitare qui est très particulière. Elle a 12 cordes. Alors, une guitare 12 cordes, pourquoi 12 cordes? Vous avez peur d'en casser une ou quoi? C'est nul. C'est une 12 cordes parce que moi, je fais toujours les choses en grand. Avant, je commençais à jouer sur les guitares avec 16 cordes. Maintenant, j'ai pris 12 cordes. C'est vachement plus pratique. Quand t'as pas cette doigt, c'est chiant pour jouer avec, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Alors restez, dans peu de temps, après la publicité, pour le toilette, si vous voulez, on va se retrouver avec Patrick Bruel qui va nous chanter sa nouvelle chanson, et moi qui l'accompagnerai la guitare. Ça fait très longtemps que j'en ai envie. C'est Philippe Malheur, je suis toujours avec Patrick Bruel, qui a changé. Je suis très content de vous avoir, Patrick, moi aussi, dans l'émission Les Croulants du Rock. Vous allez chanter une chanson, je suis accompagné de la guitare, c'est Keith Richards, Rolling Stones, qui va montrer comment jouer de la guitare. Patrick, vous le croyez ça? Vachement bien, c'est vrai que t'es un ami et tout, c'est vrai qu'il t'a montré en plus comment jouer de la guitare. Je suis très content. J'ai un temps pour jouer, c'était pas terrible. Je vais jouer sur ta guitare, 12 cordes Patrick. Ça change bien, c'est la guitare. Alors, comment s'appelle cette chanson? Je sais pas le prénom. La musique, la guitare. Y'a pas de titre. Si, j'en ai trouvé un, mais si. T'as pas de prénom, c'est chiant. T'as pas de prénom. Oh, des contes en anglais, t'as pas de prénom. J'ai bien. Keith Richards m'a appris à compter jusqu'à 4. C'est incroyable. Alors c'est 1, 2, 3, 4. T'as pas de prénom, c'est vraiment chiant. C'est celui qui marche devant. Dans la vie, faut jamais se retourner. Ça risque pas, si on peut pas taper. Alors regarde, sur les calendriers, j'avais trouvé
terminé, peut-être. Oui, tiens. Le recteur n'est pas des droits d'auteur. Je sais rien faire d'autre que d'être chanteur. J'ai décidé, j'écrirai plus jamais une chanson qui commence par un putain de prénom. Alors je regarde le calendrier, je me mets à oublier le prénom qu'elles avaient. J'ai brûlé tous mes calendriers, mais c'est chiant pour se rappeler le jour que l'on est. Oui, excuse-moi, Patrick, mais c'est plus ça. Merci. Tout à fait un genre différent de Patrick Bruel. Il y aura des nouvelles chansons, mais on pourra filmer, pour regarder dans vos toilettes, salle de bain, n'importe où. Maintenant j'ai compris la webcam. Elle m'a expliqué avant que tu tirais cette salope. C'est chiant, elle est partie, mais je comprends. J'ai compris déjà comment ça fonctionnait, c'est déjà ça. Merci Patrick. Merci.